Recoucou tout le monde. Bon, alors, j'ai retrouvé le fameux bloc. Il a fait la guerre. Donc, c'est l'ancien bloc de chez Action. Vert foncé. Marron. Et noir. Donc ça, c'était ma mère qui me l'avait trouvé parce qu'on était en manque de noir à l'époque. C'était début du Covid, voilà, il n'y avait plus rien. Donc, il a vraiment fait la guerre, voilà. Donc, c'est bon, j'ai mon marron. J'ai retrouvé effectivement le compas dans mon déambulateur, coincé entre le tissu et le grillage. Alors, j'ai regardé le compas, la mine, qui s'en va. Donc les parents, resserrez bien, c'est très dur à resserrer, franchement il est dur à resserrer, mais resserrez bien pour les enfants, Et donc il y a cette petite chose là. Pourquoi, me direz-vous, suis-je intéressée par cette chose là? Donc, je défais la vis. On peut y glisser n'importe quoi. Pourquoi, me direz-vous? Alors, regardez-moi ça. Que si c'est pas formidable, ça. Je compte faire mon propre moonboard avec un cercle. Donc, il faut que je découpe. Voilà. Papette la guêpe. Donc, je resserre la vis. Toujours avec mon pouce. Je me serre. Voilà. Je range bien précieusement. Alors, il se ferme bien. C'est impeccable. Franchement, il m'a l'air assez chouette. Et je m'y connais un compas. Parce que j'ai eu les Staedtler, etc. Le gros coffret. Ouais. J'ai le gros coffret, mais pour le scrap, j'ai dit, bon, allez, 1 euro, même pas 1 euro. Et j'avais pas vu, avant de faire mon haul, vous êtes 201 abonnés. Bienvenue les deux nouveaux nouvelles. Alors je peux pas le voir, sauf sur les statistiques. Bienvenue et merci parce que j'ai atteint 201 abonnés. Donc je me suis dit, bon, 200 abonnés, ça fait un petit concours quand même. Donc je me laisse, j'ai une petite idée quand même. Je me laisse jusqu'au début du mois prochain, début septembre, pour lancer un concours. Je compte sur votre participation, moi. Si. Alors, merci. Et puis, ça ne sera pas un concours normal. J'ai une petite idée parce que je vais vous expliquer. Je fais partie du GEM, groupe d'entraide mutuelle pour les personnes handicapées et à la retraite, et puis les personnes qui ont besoin d'un contact, voilà, d'activité manuelle, jeux de société, tout ça, sortie. D'ailleurs, j'y étais, je me suis planté le nez. Ils sont
en bateau mouche. Je ne savais pas. J'aurais su. Oh ben j'aurais été. Hein. Oh, ça m'aurait fait du bien. Bon, bah bref. Donc, en fait, vos créations seront mises en exposition et vente au profit du GEM. Ça ira dans la cagnotte du GEM pour aider à fournir tout ce qu'ils ont besoin. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Donc, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si ça va être plutôt. Bon, ça va être plutôt sur le thème d'Halloween, je pense. Hein. Mais le format, bon, il faut encore que j'y pense. Donc voilà, ce sera pas, ça sera pour une association. Voilà. Voilà. Le temps du concours, je ne sais pas encore. Je pense qu'un mois, ce serait bien. Mais vraiment, je compte sur votre participation. C'est pour aider à distraire ces personnes, aider à payer le papier, les feutres, les crayons, etc., etc., etc. Voilà. Et puis, sachez que bah, c'est moi qui ai amené le scrap là-bas. Donc, ça fait presque un an maintenant. Ça doit faire un an. Mais ça fait longtemps que j'y ai pas été. Donc, il va falloir que j'y retourne. Voilà. Donc, c'est pas très loin de chez moi. Je peux y aller à pied. Et donc. Donc voilà, ça sera. C'est une œuvre caritative, hein, comme une autre. Voilà, c'est. Je pense que ça pourra leur apporter un petit coup de pouce, puisque tout ce qui est exposé là-bas est à vendre. Donc après, je laisserai le libre arbitre l'éducatrice, à la monitrice, comment on appelle ça? L'animatrice de fixer le montant de l'objet. De l'objet, si un objet, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. L'idéal, ce serait un. Je pense qu'un marque-page, ça passerait bien. Bon, je vous redirai ça. Parce que les cartes, ça se vend moins. Puis un beau marque-page. Sur le thème d'Halloween. Voilà. Ouais, ça serait sympa. Mais bon, il faut encore que je réfléchisse parce que là, j'ai eu juste. Allez, même pas. Quoi, 1 heure pour réfléchir. Donc, il me reste à réfléchir du format. Voilà.
Voilà. Donc, et ben, encore merci. Et puis, suivez bien les vidéos parce que ça s'enchaîne en fait, hein, toujours une suite. Donc voilà pour aujourd'hui. Quant à mon moonboard avec le cercle intégré, je ne sais pas trop quel format faire, si je fais un format A5 ou un A4. Bon, je peux faire les deux, marquer, mais ça va dépendre de la force qu'il faut y mettre. Et bon, il faut que je me serve de ma plastifieuse. Donc voilà. J'ai tellement de trucs en tête que je sais pas par quoi commencer en fait. Donc voilà, je vais déjà faire le petit nœud vert. Voilà, en ce moment, je me charge plus d'entamer les préparatifs des marchés de Noël parce que c'est très loin à faire. Les nœuds, sauf le simili-cuir, c'est hyper délicat. Le papier, viens là, toi. Hop là. Le papier. Pas qu'il soit voyez là c'est délicat, faut pas qu'il soit voilà, faut pas qu'il soit aplati, faut qu'il suive la courbe, voyez. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais le mettre sur une barrette. Donc ça, les petits nœuds, ça va partir, ça. Bon, les cartes, ça va, j'en ai assez. Hein. Oh là 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 là, j'en ai assez des cartes. Assez. Ras-le-bol. Donc voilà. Mais le compas là, il m'a l'air pas mal. Hein. J'ai regardé tout à l'heure. En plus, vous avez un. Là, c'est un décimètre. On enlève. Et là, il y a 3 cm en fait. Et bon, il est ergonomique. Vous voyez? Donc c'est le petit pas de vis là qu'il faut resserrer. Parce que sinon ça s'enlevait. Donc vérifiez bien que c'est bien serré. Et voyez, c'est protégé. Mais je vous conseille de garder la boîte. Parce que ça passe partout. Et en fait, en gardant la boîte, et ben, on a tout sous la main. Mais par contre, il n'y a pas de petit à crayon pour les. Non, pour les mines. Vous avez 3 autres mines à peu près. Oui, 3. Il y a 3 autres mines. Pour le prix, oui, c'est intéressant. Donc voilà. Alors, comment je fais
monter. Je suis baissé un peu, je vais vous montrer. Ouais, c'est un peu. Vous voyez mal là. Quand j'ai les trois autres parties, je fais ça, je le colle. Je me charge de coller le premier. Ensuite, je viens plier délicatement l'autre. Je le colle à la suite. C'est bien formé. Ensuite, je prends ce petit bout là et je le colle au milieu. Alors bien au milieu, que ça dépasse. Voilà. Et ça fait ceci. Quand c'est fini, quand j'ai collé les deux, il faut rajouter la petite languette sur du papier. C'est hyper difficile, mais une fois que c'est collé, c'est collé. Je fais un super glue avec le pinceau. Donc il faut faire tout le tour. On le met à la moitié et on fait tout le tour du nœud pour cacher tout. Voilà. Donc voilà. Et ben moi je peux vous dire un truc, c'est que je suis à plat, je suis morte de fatigue. Je me suis bu un café, je vous ai mis la photo du café, petit café maison. Comment je fais pour avoir les trois couches? Alors, je me sers déjà du lait en poudre, je mets mes deux sucres, je mets de l'eau, je dilue mon lait, puis après, eh ben, je le passe à la Senseo, je prends le café le moins cher, les dosettes les moins chères, et mon café il est bon. Et en plus de ça, il me fait pas mal à l'estomac, donc vous voyez. C'est pas un café cafetière, hein, c'est un café plus léger. Donc voilà, mon petit régal. Non, c'est pas la marque, hein, c'est mon petit régal à boire, hein, petit plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai les dents tachées, hein, parce que le café, à moi sans café. Et le matin, il m'en faut deux. Par contre, si j'en bois un chez mes parents, c'est un peu plus fort. Et donc, j'aime bien regarder mes trois couches de liquide et la petite mousse par-dessus. Voilà. C'est un petit plaisir. Et puis ça se fait tout seul, hein, les trois couches. Juste un petit. Voilà. J'ai réussi à le faire. Voilà. C'est. Je le mélange après. Donc voilà. Bon bah je sais plus où j'ai mis. Ah bah les barrettes, elles doivent être encore dans le sac. Et puis j'ai mes pieds qu'on peut plus. Ah j'ai dit hein, de toute façon, hein, je joue la transparence. Je suis quelqu'un de normal. Hein? Normal entre guillemets parce que bon hein, si je suis en déambulateur c'est pas pour rien hein. Ma mère m'a dit mais tu pourrais t'en passer, non je vais tomber, c'est vrai que je risque de tomber donc et puis surtout si je suis toute seule il faut que je me tienne. Et puis si je fatigue, je peux m'asseoir dessus.
Mais même au tout début que je l'ai eu, le tank, ça ne me dérangeait pas de pousser beaucoup plus loin pour aller jusqu'à Leclerc. J'ai une ex-voisine qui un jour qui m'a dit, ah bah, ça me fait plaisir de te voir te vadrouiller comme ça. Je dis, oui, mais tu sais, ça fait loin, hein? Elle me dit, oui, je sais. Elle me dit, puis en plus, toute seule, ah ben, je pourrais être enfermée, hein? Bon, je suis casanière, c'est sûr. Parce que j'aime bien faire mes petites vidéos, mes petits trucs, préparer des choses. En fait, je garde pas grand-chose pour moi. J'adore les femmes vintage. Ah, vous avez dû vous en rendre compte avec les cartes. Je vais vous en montrer deux. J'en ai gardé deux. Bah, c'est la même en plus. Donc, la carte chevalet que j'avais faite. Je tourne pour que vous puissiez voir les couleurs. Voilà la fleur. Avec la demi-perle, le petit nœud rose, bien girly. Voilà, elle a un peu, elle a été mal placée, donc forcément. Voilà. Et puis celle-ci, bah, c'est la même, mais ça, c'est une invention d'Univers Scrap. C'est une carte chevalet. Z. Celle-là aussi, elle doit tenir encore. Bah oui, elle tient. J'aime bien ce style. Je vais en faire d'autres. Je n'ai fait qu'une, mais je vais en faire d'autres. Donc celle-là, je l'ai fait en plusieurs exemplaires. Donc vous avez le creux et le parchemin dedans. Parchemin en haut et en bas. La fleur, c'est moi qui l'ai faite avec plusieurs. C'est un dies, hein. Avec plusieurs. Je crois qu'il y en a quatre pétales. Donc celle-là, je la garde. C'est la première. Et puis celle-là, bah, je vais reproduire. Je vais en faire d'autres peut-être. Mais bon, il faudrait que je mette peut-être une page blanche derrière. Pour que les gens puissent mettre le petit mot à réfléchir. Vous voyez, j'ai plein de choses en tête. Les nœuds papillons, les moonboards, les cartes chevalet, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a tellement de trucs. Les boîtes, voilà quoi, il faut que je me fixe un truc. Et puis, pour l'instant, je ne sais pas quoi, parce que, bon, en général, hein, quand je reviens de course, eh ben,
je me repose parce que là, il est presque 4h15. Et bah voilà. Et ça commence à taper. J'ai 26,7 là, c'était 25,8. Et si j'aurais pas le ventilateur, je tiendrais pas. Donc, ah oui, ce que j'ai dit qui sentait bon, c'est celui-là. Ah, ça se voit pas. Là, ça se voit. C'est Skents. Scents. Spring flowers. Fleurs de printemps. Voilà, celui-là. Et il y a le capuchon. Parce qu'il s'est vendu avec un capuchon. Donc vous voyez que le capuchon en fait hein, quand vous l'achetez. Hein. Voilà, ça ne sert à rien. Peut-être que je vais le garder si j'ai besoin d'un pot à eau ou quoi, une fois qu'il sera fini. Et recyclage. Bah oui. Bah ouais. Ouais, je vais garder le. Voilà, je le laisse là. Ma mère me dira, mais tu sens bon! Oui, maman, j'ai acheté des 200 raisins. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Franchement, je lui ai dit qu'il n'y que pour ça. Il m'a dit, tu vas encore dépenser tous tes sous. J'ai pas tout dépensé. Du moment que mes chats ont à manger, c'est le principal. Voilà. Les désodorisants, je vous jure qu'il y en avait besoin. Hein. Ouh là 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 là. Surtout que demain, il y a mon infirmière qui passe, enfin sa sœur, parce qu'ils sont deux. Donc la mienne est en vacances, c'est sa sœur qui prend le relais. Et j'ai une prise de sang. J'aime pas ça. L'autre fois, c'est mon infirmière qui me fait la prise de sang. Il fait aïe! Il me dit ah, c'est que je suis dedans. Bon, bah, c'est pas lol, hein. J'ai encore la trace de la piqûre. Sérieux. J'y ai droit deux fois. Labo, il savait pas. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Alors je me dis, bah, c'est sympa. Hein, Donc voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que vos œuvres soient vendues à des fins caritatives? Déjà, je vous demande votre accord parce que hein, c'est normal. Et puis, il y a plus handicapé que moi là-bas. Donc, et ça va être acheté par des personnes isolées, handicapées.
seule. Donc voilà. C'est. Et puis peut-être même des membres du personnel. Qui sait? C'est un petit plus pour eux. Dire voilà. Voilà, on fait quelque chose pour vous. Donc c'est des petits prix, hein, c'est pas des gros prix, hein. L'autre fois, j'ai pris 2-3 pulls, puis des pelotes pour faire du crochet. J'en ai eu pour 5 euros. Je crois. 3, 5 euros, je sais plus exactement. Mais vraiment des petits prix, quoi. Mais ça va dans la cagnotte de l'association. Voilà, pour vous expliquer un peu. Bon, je vous laisse là. Moi, je vais faire mon petit nœud tranquille. Ou alors, peut-être que je le ferai demain matin. Ben, demain matin, il faut que j'aille à Leclerc. Sortir 2 jours de suite aussi. C'est fatigant, donc il faut que je me repose. Et toujours des gratouillis aux oreilles, hein, tout le temps. Des petits gratouillis aux oreilles. J'ai vu des stylos en mallette comme ceux que j'ai. Et je me suis dit, Karine, maîtrise-toi. T'en as assez des stylos. Non, puis je pouvais pas mettre le prix, quoi. J'ai dit, prends autre chose, regarde ce qu'il y a. Alors j'ai regardé ce qu'il y avait. J'ai trié, j'ai reposé, j'ai regardé autre chose. Je me suis dit, bon allez, t'as un choix à faire. Et puis quand j'ai vu le car stock, j'ai dit, allez, banco. Ça m'aidera. Hop là. Oh bah j'en ai gare. Ça m'aidera à faire le bois au fond là, un petit renard. Il y a une petite biche, il y a un petit lapin, il y a voilà. Donc voilà, j'ai les mobiles à commencer. Oh, pardon, c'est le café. Je suis désolée. Ah oui, même si ça ne s'entend pas, je m'excuse. C'est normal, non? Donc, la petite biche. C'est action, hein? Et le lapin, il est où? Il doit être là. Non, ça, c'est une tortue. J'ai perdu le lapin. Dans toutes les découpes, ah, le voilà, le petit lapin. Petit lapin. Ça, c'est bien pour Pâques. Parce que, voilà, la petite pâte. Voilà. Alors j'arrive à me resservir de mon pouce
à peu près normalement sans appuyer. Donc ça, hop, ça va là. Le cardstock, c'est pas un papier que j'utilise d'habitude puisqu'il est, disons qu'il y a des fibres. Et voilà, j'aime pas trop. Je vais prendre l'envers. Encore une fois. Je vais me servir de l'envers. Parce que ce côté fibre, ça me dérange. On a toujours appris en dessin d'exécution en publicité, donc au lycée. À se servir de n'importe quel côté, quoi. Si je veux que ce soit remarqué, je le prends tel quel. Mais si je fais autre chose comme le mobile, où il ne faut pas qu'il y ait de trame qui se voie, faut que ce soit plat. Je vais prendre la face arrière. Pile, je vais prendre mon face, pile. Bon, allez, j'arrête là parce que faut encore que je fasse le montage. Je vous dis à plus et encore merci. Et voilà.